Est-ce que vous entendez cette responsabilité qu'on peut incomber au personnel médical, aux chercheurs, aux médecins, au début de cette épidémie, qui il y avait une espèce de concurrence, de positionnement. On n'entend plus du tout parler du professeur Raoult, on n'entend plus du tout parler de la chloroquine. Est-ce que ça n'a pas contribué à créer le chaos, en tout cas la confusion qu'on vit aujourd'hui ? La confusion dans les têtes, vous voulez dire, sur Absolument. Les différentes hypothèses, sur qui est un expert, qui n'en Absolument. Est pas un. Absolument, ce qu'il faut faire ou pas. Évidemment que Didier Raoult a causé énormément de confusion et qui porte une responsabilité, on ne peut pas dire autrement, je suis désolé, il porte une responsabilité sur tout ce qu'il a dit qui était souvent faux, je suis sûr qu'il n'y croyait pas lui-même dans beaucoup de situations, et qui a, quand je parlais des complotistes ou tous ces gens-là, et qui a vraiment créé, enfin il les a favorisés, vraiment il a donné le lit pour tout ce mouvement complètement complotiste. Et donc, à cause de ça, on va remettre tout en question. Absolument. On va remettre tout ce que disent les experts en question. On va remettre tout ce que... Et du coup, on a, comme vous l'avez un peu dit, presque polarisé, finalement, les réactions. Il fallait choisir son camp. Vous êtes le seul à le dire, vous le dites tard. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne vous a pas invité ou est-ce que parce que vous n'aviez pas la possibilité de l'exprimer avant? Alors, moi, je n'ai rien dit parce que je travaillais et je soignais les malades pendant deux mois et demi. Je ne suis pas sorti de l'hôpital. D'accord. Et puis, fin mai, quand il n'y avait plus rien, comme on était plusieurs à réaliser deux, trois choses, à avoir des hypothèses. Bon, je me suis exprimé fin mai, j'ai dit voilà mon hypothèse. Je ne pensais pas du tout le dire à la France entière. Je l'ai dit à des copains, je l'ai dit sur un réseau comme ça pour en parler à 200 personnes. Je ne pensais pas du tout que c'était... Ce n'était pas une prise de position publique. Je ne portais standard de rien. Mais voilà, après, c'était la seule voie comme ça. Donc. Mais on est...